Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nintendo Boy, sous Kratos, votre bien-aimé toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, on inaugure un nouveau format. Alors, un nouveau format de par ce que je vais vous proposer. Faites pas tellement attention, là, c'est le décor à l'arrache. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous expliquais pourquoi je m'en tape royalement les coronets de la next-gen. Eh bien, voilà, que j'ai des petits soucis de caméra, donc là je fais un petit peu avec les moyens du bord. Mais voilà, je suis content d'inaugurer ce nouveau concept, entre guillemets, même si j'ai pas inventé l'eau chaude, où je vais vous présenter en fait des chaînes YouTube que j'aime bien. J'ai essayé de le faire 3 par 3, avec parfois, comme ici, parfois des petits bonus. Voilà, alors on va commencer tout de suite, hein. Vous avez vu de toute façon déjà des noms sur le titre de la vidéo, a priori. Donc déjà, sachez que si vous aimez la collection et le rétro gaming, toutes les chaînes dont je vais parler là, elles sont faites pour vous. C'est de la qualité, du Super Nintendo Boy approved, comme on dit. On se lance tout de suite avec la chaîne du plus grand des bolos, que dis-je, du roi, du king, du dieu des bolos, mon très cher DGGX. Voilà. Alors, c'est possible que toutes les chaînes dont je vais vous parler, dont celle-ci évidemment, si vous êtes fan de rétro et de collection, vous les connaissiez déjà, mais si c'est pas le cas, vous allez vous régaler. Voilà, donc si vous aimez les gars qui ont un bon bagou, une certaine franchise, des lunettes noires et qui vous traitent de bolos à quasiment chaque intro de vidéo, eh ben, j'ai envie de vous dire, la chaîne de DGX, elle est faite pour vous. Vous allez trouver plusieurs types de contenu. Il y aura aussi un petit peu d'actu, mais vous allez voir que la plupart du temps, son actu, elle est soit liée à des licences qu'il aime bien et qui sont plutôt ancienne dans le sens Doom. Voilà, vous trouverez par exemple une vidéo assez récente sur le Doom Eternal avec l'ami Nono, si je dis pas de bêtises. Mais vous trouvez aussi de l'actu, mais dans le sens où c'est des jeux qui sont sortis récemment, mais qui ont, voyez, une ambiance, une technique clairement rétro. Voilà, c'est très souvent des hommages, parfois améliorés. Il y aura de la review, du gameplay, et si vous aimez le skill, eh bien, il fait aussi des super One Life. Voilà. Je peux que vous recommander l'ami DGGX. Je suis sûr et certain que si vous ne le connaissez pas déjà, eh bien, c'est un personnage assez charismatique, et voilà. D'ailleurs, je lui souhaite tout de bon, et je te salue, l'ami DGGX. Dans la même veine, et vous allez le voir, normalement, j'ai mis un espèce de plus 2 dans le titre. L'ami des GGX a cofondé avec Axel la chaîne Green Hill Memories, qui est toujours active, même s'il y a eu voilà, des départs il y a plutôt peu de temps. Notamment, justement, des GGX qui va se consacrer quasi exclusivement à sa propre chaîne. Alors, évidemment, tout est en bas, hein. Allez faire un petit tour dans la description si vous cherchez des liens, ou sinon si vous tapez de toute façon sur la barre de recherche, vous verrez, c'est toutes des chaînes très faciles à trouver. Donc aussi une petite dédicace à Green Hill Memories, en tout cas une petite mention spéciale, c'est là d'ailleurs que j'ai connu DGGX, pardon. Et là aussi, pareil, c'est vraiment dans la même veine, dans une ambiance relativement similaire, même si, bah, évidemment, la chaîne de DGX est vraiment imprégnée de DGX, alors que Green Hill Memory, c'est plus un mélange. Mais voilà, c'est très agréable. Il y a notamment un petit nouveau qui s'appelle Manu aussi, que je trouve très sympathique, hein, qui commence à faire des vidéos pour GHM. Il y a évidemment l'ancien et le cofondateur avec DGGX de la chaîne qui est Axel aussi, que je trouve très sympathique. Donc voilà, à la base, GHM, c'est un genre de collectif de passionnés, collectionneurs, rétro-gamers notamment, mais pas que, qui, voilà, chacun avait un petit peu sa petite spécificité, et a, encore une fois, même s'il y a eu des départs, on va d'ailleurs, dans la prochaine chaîne mention spéciale, parler d'autres départs de GHM. Voilà, vous allez retrouver là encore une fois. Alors, ça parle pas que jeux vidéo, essentiellement jeux vidéo bien sûr, mais pas que. Il y aura aussi notamment, là il y a une nouvelle rubrique qui a été inaugurée sur Firefly et Serenity qui s'appelle Hors-jeu.
Voilà, vous trouverez des vidéos tests, des tops, vraiment plein de choses. Et vu que la chaîne, est relativement ancienne, là vous avez du contenu pour une vie à mater, les gars. Hein. Vraiment, faites-vous plaisir. Faites-vous vraiment plaisir. Voilà, on passe à la prochaine mention spéciale. Alors, vous allez voir que toutes les chaînes que je vais vous présenter, il y a une certaine cohérence. Hein. Comme je vous disais, ça parle plutôt collection rétro gaming. Il y a certaines accointances très clairement. Voilà, ça tourne un peu autour du même soleil, hein, si vous voulez. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais essayer de faire des épisodes un peu comme ça, hein, un peu des petites galaxies de chaînes, vous voyez. très sympathique. Et la prochaine chaîne que j'ai envie de vous présenter, c'est celle d'Eternal Games, qui, elle aussi, est composée d'anciens de GHM, à savoir le vampire, Lestat, bien évidemment, un être aussi ancien que sympathique. Peut-être le seul être, ou un des seuls rares que vous trouverez sur YouTube, qui va défendre avec poigne la Jaguar, la 3DO, voilà, et ce genre de console, vous voyez, la Lynx, voilà, typiquement, le genre de console que quasiment personne n'en parle, mais c'est tout ce qui fait aussi son charme, hein. Pas que, hein, il aime plein d'autres choses, mais notamment, voilà, aussi ces consoles-là. D'ailleurs, c'était un peu le spécialiste Jaguar, vous voyez, je crois, de GHM, on pourrait un peu le considérer comme tel. Et voilà, l'autre personnage qui compose Eternal Games, c'est l'ami Greg, aussi extrêmement sympathique. Bon, de manière générale, hein, tous ceux qui sont à GHM qui y étaient sont des gens extrêmement sympathiques. Dédicace aussi à Gwenrod, Vidoc, V-Link, etc. J'espère que j'en oublie pas, c'est possible, parce que je fais un petit peu la vidéo à l'arrache, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, je pense qu'inconsciemment, je suis très inspiré de ces chaînes-là, c'est-à-dire, il n'y a pas tellement de montage, les cuts, on n'a pas tellement envie, voilà, il y a une certaine sincérité franchise, en tout cas, voilà, je pense qu'inconsciemment, j'essaie de m'inscrire un peu dans cette veine-là. Voilà, donc Eternal Games, par contre, c'est une chaîne toute nouvelle. Attendez, j'ai sous les yeux. La première vidéo a été publiée il y a 2 semaines, très exactement. Voilà, oula, ça s'est pété la gueule. Voilà, essaie de tenir. Donc là, pareil, ça va pas mal parler manga, animation, jeux vidéo, notamment rétro. Allez voir, hein, il y a 2 semaines aussi, il y a eu une présentation de la chaîne où d'ailleurs DGGX est présent. Mais là, encore une fois, hein, si vous voulez écouter des passionnés par les rétros, par les collections, et, mais pas que, encore une fois, ils l'ont déjà prévenu, ils vont pas s'arrêter aux jeux vidéo, ils vont parler d'autres choses. D'ailleurs, il y a déjà un épisode que je n'ai pas encore vu, qui est aussi sorti il y a 2 semaines, c'est un manga animation, le Japon en 1945, ça a l'air très intéressant. Là, tout à l'heure, j'ai vu le Play the Game sur Super HQ avec le vampire Lestat. Et voilà, très sympa. Je peux que vous recommander également ces deux chaînes, donc en plus de celle de DGGX. Vous allez voir, ça compose un peu. Tout est un peu dans la même veine, avec chacun son ambiance, parce que chacun, avec sa touche de personnalité, son parcours aussi de joueur, vient vraiment apporter sa touche. Voilà. L'autre chaîne qui est, elle aussi, un petit peu gravite, un petit peu autour de tout cela, même d'après ses dires, eh bien, c'est la chaîne de l'amour des hommes. Voilà. Donc là, en plus du rétro et de la collecte, si vous aimez l'amour des hommes, ainsi que un humour totalement barré, et les têtes de cheval aussi, les têtes de cheval, c'est important. Colique fantastique, bien évidemment, une chaîne pour le moins fantastique, avec notamment, eh bien, un personnage qui est l'ami Colique, qui, je crois, en plus, habite non loin de la frontière suisse. Si tu passes par là, moi qui habite en Suisse, si un jour les accointances se font et les accrochages se font, peut-être on se rencontrera. Alors sur sa chaîne, je pense que les chroniques les plus emblématiques, à mon sens, parce qu'en plus il en est actuellement à sa 121e, et la toute dernière était sur Koryun sur PC Engine, c'est la chronique évidemment des Avia Vif. Voilà, donc où il va vous présenter et puis vous donner son avis sur un jeu.
très souvent rétro de mon expérience. Mais voilà, il y a plein d'autres chroniques, hein, notamment j'aime beaucoup quand il présente sa collection. Alors pas la présentation de la Gaming Room en soi, même si vous la trouverez, mais pas que. Je veux dire, par exemple, il y a 4 semaines, il y a la collection Xbox Classic partie 1, où il vous présente 10 jeux, mais il y aura d'autres parties, où il va continuer à présenter des jeux. Il est souvent accompagné de son acolyte. Oh merde, ah, j'ai plus son nom, je suis nul. Je pense que je le noterai ici, mais enfin les deux ils font grave la paire, hein. C'est vraiment très très agréable à suivre. Peut-être parfois il y a des moments que certains trouveront ou certaines trouveront un peu gênant, parce que Colic il y va, il s'en bat les couilles, hein. C'est au niveau l'humour, c'est nos limites, voilà. Moi j'aime beaucoup, hein. Au contraire ça me fait tout le temps grave marrer. Donc là pareil, voilà, vous aimez comme je vous le disais l'humour, la collection, le rétro gaming, la sincérité, les têtes de cheval, les hommes et tout. L'ami Colic Fantastique, c'est là encore une fois Super Nintendo Boy approuve. La prochaine chaîne, elle a une petite place un petit peu spéciale entre guillemets dans cette vidéo, parce que c'est quelqu'un qui a commencé, en tout cas cette chaîne-ci, j'allais dire commencer YouTube, mais peut-être qu'il a d'autres chaînes à son actif. C'est évidemment l'ami Khaled Fouini Man, qui a, d'après ce que j'ai vu, plus ou moins commencé, comme je le disais, YouTube en même temps que moi, un ou deux mois après ou avant, je m'embrouille. L'appareil, ami collectionneur, ami passionné de jeux vidéo, ami passionné de rétro, c'est un régal absolu. C'est une chaîne toute récente. Bah attendez, on va aller voir tout de suite. Actif depuis le 22 mars 2020. Donc oui, non, c'est... effectivement, je confirme, la chaîne existe depuis plus ou moins le même temps que moi. D'ailleurs, félicitations à toi, mon cher Khaled, parce que t'es bientôt à 2000 abonnés, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, mais vu que t'augmentes, tu vois, vitesse grand V, ça se trouve, t'as déjà dépassé les 2000 abonnés à l'heure à laquelle je publie cette vidéo. De manière générale, je crois pas qu'il montre sa tête, par contre, sur sa chaîne. Par contre, on peut la retrouver, sa tête, donc, dans un débat. Alors, je crois que c'est sur la chaîne de l'ami Serial Gamer. D'ailleurs, probablement que la chaîne de Serial Gamer passera un jour dans cette chronique, il y a de fortes chances. Où il a un débat avec le Serial Gamer et DGGX. J'espère que je dis pas de bêtises, hein. Il me semble que c'est sur la chaîne du Serial Gamer. Et effectivement... quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, ah ouais, c'est pour ça que tu t'appelles Khaled Fouini Man. Il y a un air, clairement, du rappeur La Fouine. Il y a clairement un air. Du coup, ça faisait aussi plaisir de placer ta tête, de poser un visage, en fait, sur une chaîne. C'est pas forcément nécessaire pour apprécier une chaîne, mais moi, je trouve ça cool, des fois. Donc là aussi, sur sa chaîne, vous allez trouver... de manière générale, de la collection et du rétro. On sent la passion, clairement. Et puis ce type, je pense qu'il a une grosse collection de malades. Vraiment, je lui ai déjà demandé une ou deux fois, vas-y, en commentaire, hein, montre ta collection, ta gaming room. Il ne l'a pas encore fait. C'est un peu, tu vois, comme quand tu mets de l'huile essentielle dans une fabrication maison, tu vois, c'est goutte par goutte. Et en même temps, bah, c'est un régal, en fait, de présenter de cette façon-là, petit à petit, en fait, comme ça. Voilà, le plaisir dure dans le temps, je peux pas lui reprocher ça, c'est absolument génial. Il fait des lives aussi, depuis quelques temps, des ouvertures de colis, voilà. Plein de choses, c'est... enfin, de toute façon, de manière générale, hein, toutes les chaînes que je vous présente là, elles sont vraiment riches. Elles transpirent, d'ailleurs, là, je pense que je transpire sa race. On voit la marque, peut-être. La passion, mais vraiment, c'est... ça fait vraiment très, très plaisir. Et puis, voilà, pour ce premier épisode, je pensais que c'était de bon ton de vous présenter ces chaînes-là qui font partie de celles que je suis le plus. Je commente pas toutes leurs vidéos. Je pense que je regarde pas toutes leurs vidéos, mais presque, franchement, là, d'où les chaînes dont je vous parle, là, on n'est pas loin, c'est-à-dire que si je les ai pas vues en mode actu,
je vais les rattraper de façon un jour ou l'autre. Hein. C'est toujours ce que j'ai fait. Et puis, ça va continuer comme ça. Je pense que ça vaut aussi le coup, des fois, de faire une petite mention spéciale à la fin de chaque vidéo pour un abonné. Pour cette première vidéo, je suis obligé de commencer par l'ami Tumble67 que vous avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne d'ailleurs. Voilà, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Là, pareil, on est pas mal dans la collection, dans le rétro, mais pas que. Il y a aussi un peu d'actu. Un personnage très sympathique. D'ailleurs, on se voit tout bientôt. Hein. Mon Tumble, d'ailleurs, je pense même à on se voit en fait le jour où je publie cette vidéo. Donc. Je ne sais pas quelle petite partie on va faire, mais on va le faire. Voilà, allez faire un petit tour aussi sur la chaîne de Tumble67. Tous les liens sont en description, comme je le disais. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Allez faire un petit tour, découvrir, et si ça vous plaît, vous abonner et liker les chaînes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Donc, je le rappelle, DGGX, Green Hill Memories, Eternal Games, Colic Fantastic, Khaled Fouiniman et l'ami Tumble67. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et puis, bah, à tout bientôt, les NSX.